Salut les DJ, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui, vous allez voir que je vais vous partager 4 choses essentielles qu'il ne faut plus faire quand vous vivez de votre passion. Et vous allez voir que ces 4 choses-là, eh bien, elles vont être essentielles pour passer votre business à un niveau supérieur. Si vous me découvrez au travers de cette chaîne YouTube, au travers de cette vidéo, eh bien, vous allez voir qu'elle va vous apprendre tout simplement à développer votre activité de DJ en événementiel, que vous fassiez des soirées de mariage, des soirées d'entreprise, des soirées privées. Vous allez voir que je vais vous aider à vous développer. Également, vous allez voir que dans le lien de la description, vous pouvez rejoindre mes tutos privés, mes emails privés que j'envoie uniquement à mes abonnés. Donc, vous pouvez d'ores et déjà cliquer dans le lien de la description et vous me laissez juste votre prénom et votre email. Et là aussi, j'envoie des hacks, des astuces, des méthodes. Et là, par contre, on va bien plus loin dans le processus pour vous expliquer tout ce que j'ai appris au cours de mes 15 dernières années d'expérience dans le monde, dans l'univers de l'événementiel. Donc tout ça, c'est dispo dans le lien de la description. T'as plus qu'à cliquer et laisser ton prénom et ton email. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin parce que forcément, eh bien, je partage mes plus grosses astuces à la fin de la vidéo. Donc la première chose que je voulais vous partager, c'est surtout arrêter d'accepter des prestations à des prix qui sont dérisoires. Ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais vous partager parce que je sais que beaucoup d'entre vous veulent absolument accepter toutes les prestations à tous les prix possibles. Ça, si un jour vous voulez vendre de la prestation haut de gamme, il faut forcément à un moment donné arrêter de prendre toutes les prestations à tous les prix. Si à un moment donné de votre carrière vous voulez vraiment évoluer, il faut à un moment donné savoir dire non, savoir dire stop, je ne veux pas prendre ce type de prestation là parce que ça ne reflète pas tout simplement mon image. Donc ça, il faut faire très attention à ce que vous allez vouloir accepter en termes de prestations. Il faut, disons, accepter de ne pas prendre des prestations en dessous de 500 €. Si vous prenez des prestations en dessous de ce tarif-là, ça peut dénigrer votre image de marque. La deuxième chose, c'est de ne plus courir après ce que j'appelle des clients fantômes. Ce que vous allez appliquer dans votre business, ça c'est vraiment ce que je vous invite à faire, c'est dès la fin de cette vidéo, vous allez appliquer ce que j'appelle la loi de Pareto. Si vous connaissez pas la loi de Pareto, c'est tout simplement la loi des 20-80, 20% d'efforts pour 80% de résultats, c'est-à-dire que vous allez contacter 20% de vos clients potentiels pour obtenir 80% de votre chiffre d'affaires. Ça, c'est vraiment très important que vous ayez cette notion-là en tête pour, eh bien, tout simplement augmenter vos bénéfices, votre chiffre d'affaires et que vous fassiez grossir votre business. Donc, il faut absolument arrêter de courir après des clients fantômes si vous voulez avoir envie de vivre de votre passion et gagner en énergie, gagner en tout ce que vous voulez, mais surtout arrêter de perdre votre énergie, de courir après des clients qui ne répondent jamais au téléphone ou tout ce que vous voulez, mais vraiment arrêter de faire ça. La troisième chose à laquelle je suis hyper vigilant, c'est d'être beaucoup moins émotif. Pourquoi beaucoup moins émotif? Et surtout, comment le faire? Ben, c'est le fait d'être moins émotif par rapport au retour que vous aurez de vos rendez-vous, etc. Pourquoi? Parce que si vous avez un retour négatif ou même positif, il va falloir que vous apportiez une solution à vos clients, même si c'est négatif. Ça vous rendra beaucoup plus professionnel et surtout, vous saurez comment répondre à la situation ou à la problématique de votre client. Comment vous allez pouvoir régler tout ça? Alors souvent, la façon d'être émotif par rapport à ce que votre client va vous répondre, c'est souvent lié à votre situation financière, qu'elle soit plus ou moins stable. Alors comment vous allez pouvoir régler cela? Eh bien, ce que je vous propose, c'est que avant de vous lancer vraiment dans votre passion, que ce soit votre job à temps plein, ça, il y a peu de DJ, il y a peu de prestataires qui en parlent, mais c'est très important, c'est que vous ayez un fonds de sécurité. Et il faut un minimum 6 mois à 1 an d'avance avant de se lancer dans ce business-là. Parce que si vous n'avez pas assez de recul ou si vous y allez les yeux fermés, eh bien, vous risquez de vous casser la gueule et de recommencer à zéro tout simplement tout ce que vous avez appris au cours de ces quelques derniers mois alors que vous aviez avant une situation stable avec votre boulot, avec votre job. Donc ça, c'est vraiment très important de le prendre en compte et c'est comme ça que vous serez beaucoup moins émotif par rapport à la réaction de vos clients. Nous arrivons désormais au quatrième et dernier point de cette vidéo. Vous allez voir que c'est le point le plus essentiel, le plus crucial de cette vidéo, même si les points d'avance sont vraiment très importants. Mais vous allez voir que celui-ci va vous faire passer à une étape supérieure. Pourquoi? C'est le fait de ne plus courir après le client. Vous allez voir que le fait de courir après le client va tout simplement vous dévaloriser en tant que professionnel. Parce que si vous courez après le client, eh bien, le mec, il va se dire tout simplement que, eh bien, il a besoin absolument de cette date. Alors que si vous faites dans le sens inverse, vous allez dire à votre client
que vous avez d'autres personnes sous le coude, même si c'est pas forcément vrai, mais ça, tout simplement, ça va faire tilt à votre client de se dire ah ben tiens, il faut peut-être que je me dépêche, et c'est là où vous allez voir l'engagement de votre prospect avec qui vous aurez éventuellement eu des rendez-vous en amont pour qu'il se dépêche un petit peu. Donc c'est à vous de vous imposer en tant que pro, et c'est à vous de vous démarquer et de dire c'est moi qui commande, c'est moi qui mène la barque, c'est pas le prospect. Et c'est à partir de cette manière-là que, plutôt de baisser les prix, vous allez pouvoir non seulement maintenir vos tarifs, et en plus de ça pouvoir les augmenter au fur et à mesure que vous connaîtrez cette méthode. Je peux vous garantir que ça vous valorisera. Donc n'ayez pas peur d'appliquer cette méthode-là, même si vous ne mentez pas, mais vous professionnalisez au travers de vos clients, au travers de vos prospects, et surtout, ça va vous éviter de perdre du temps avec des clients qui n'en valent vraiment pas la peine. J'espère que cette vidéo vous aura aidé vraiment à mettre en place des choses rapidement dans votre business, et surtout, n'hésitez pas à me faire part de vos retours, de vous, comment vous faites pour concrétiser vos ventes. Ça me fera plaisir de savoir comment vous faites. D'ores et déjà, je vous invite à lâcher un maximum de pouces bleus à cette vidéo, comme d'habitude, et aussi et surtout à ce que vous cliquez dans le lien de la description. Ça vous redirigera vers quoi ? Vers mes tutos privés et surtout vers mes formations que j'ai tournées spécifiquement pour vous, que vous soyez DJ débutant ou plus confirmé. Vous allez voir, j'ai tourné plus d'une heure et demie de contenu sur du référencement pour vos articles de blog ou votre site internet, sur comment vous allez pouvoir gérer vos contacts dans l'événementiel. Vous allez voir que justement, ça va vous éviter d'aller récupérer des clients fantômes. Tout ça, je vous montre comment on le gère. Vous allez voir aussi comment vous allez pouvoir augmenter vos demandes de devis chaque mois, comment vous allez pouvoir aussi hacker Google My Business. Tout ça, c'est dispo dans le lien de la description. Vous n'avez plus qu'à me laisser votre prénom et votre email, et moi, je m'occupe du reste. Sur ce, les potos, je vous souhaite un bon business, un bon courage, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.